Et yo tout le monde, c'est Darky, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve sur du Exit 2 du coup, pour la fin du let's play et du jeu du coup. Franchement le jeu est plutôt cool, donc si jamais vous ne connaissez pas le jeu et que vous n'avez pas vu les précédentes vidéos, n'hésitez pas à aller checker ça via le petit i qui va s'afficher tout là-haut de votre écran, pardon, voilà, tout là-haut. Et donc voilà, franchement j'ai fait deux épisodes sur le jeu, donc c'est un petit jeu gratuit hein, donc forcément il n'y aura pas 36 millions d'épisodes, ça sera potentiellement le dernier si je me trompe pas. Il y a 9 niveaux, en tout cas 9 niveaux que l'on peut voir, auxquels on peut accéder maintenant. Donc peut-être qu'après il y a un niveau secret, je ne sais pas, donc voilà, on verra bien. Allez, sur ce, c'est parti. Franchement c'est un petit jeu d'horreur, bon après c'est un petit jeu d'horreur gentil, vous allez voir hein, si jamais vous n'avez pas vu les deux précédentes vidéos et que vous n'avez pas envie. Voilà, j'ai fait les 6 premiers niveaux, donc un épisode égale 3 niveaux. Donc là les 3 premiers niveaux sont ici, donc c'était pour le premier épisode. Et là les 3 autres niveaux sont ici du coup, avec un autre monstre. Du coup c'était un monstre différent des 3 premiers niveaux, donc là je m'attends à voir un autre monstre encore une fois. Et je viens de m'apercevoir que je ne suis pas en QWERTY, il faut mettre en QWERTY le jeu, donc je mets vite fait juste en QWERTY le temps de... Voilà, ça prend 2 secondes, voilà c'est bon, c'est fait, je suis en QWERTY. Excusez-moi de ne pas y avoir pensé plus tôt, mais voilà, comme ça, ça me fait rappeler que... de vous rappeler que vous devez jouer en QWERTY si jamais vous voulez jouer au jeu. Et donc... Ok... Il y a un système de radio maintenant. C'est quoi ce délire? Signal disturbed. Ok. Signal perturbé. Perturbé par quoi? Me dis pas que c'est un monstre invisible, il faut le voir avec la radio. Oh hell no! Ouais, je comprends pas. Il est proche. Signal disturb. Ok. On peut pas spammer la radio, faut recalibrer. Pour l'instant on voit pas de monstre. Mais tu vois que c'est un monstre invisible, il faut le détecter avec la radio. Ok. Pour l'instant pas de monstre. Je sens pas. J'ai un mauvais pressentiment, je... Il y a un truc louche. Là, je suis sûr c'est ça. C'est en fonction du monstre, s'il est proche de toi ou pas. J'en suis sûr. Je vois que ça en vrai. Là, il est proche. Il est invisible, c'est sûr. Du coup, faut que je fasse gaffe. Ouais, c'est sûr, c'est ça. Ouais, c'est ça. Oh, putain, il m'a surpris. Oh, j'ai compris vite, j'ai compris direct à quoi ça servait la radio. Franchement, je me félicite. Incroyable. Eh, mais... C'est de plus en plus dur, hein. Franchement. J'avais raison, du coup, c'est un... Bah, pour celui-là, c'est vraiment fantôme, du coup, il est invisible. Ouais, c'est chaud, du coup. Mais c'est bien, et franchement la mécanique de gameplay, c'est un jeu gratuit hein, franchement, je vous le rappelle, mais la mécanique de gameplay franchement incroyable. Ça par contre c'est chiant ça. Et ouais, ah c'est trop dur. Et franchement, le niveau augmente hein. Au fur et à mesure les niveaux, la difficulté du niveau augmente. Là on fera peut-être pas tout dans cet épisode-ci, hein, franchement vu comment je galère. Ah ouais, franchement, et le niveau est incroyable, j'adore. Alors le concept est insane. Là, il est proche. Là il est loin. Est-ce que c'est en fonction de là où je suis ou de là où je regarde? Eh ouais, nuance, c'est pas pareil. Donc c'est... Non. Il met 3 ans à calibrer, c'est chiant ça.
C'est en fonction de là où je suis. Là, ça veut dire qu'il est plutôt proche, mais proche comment, tu vois, je sais pas. Ok, il est très proche là, je pense. On s'enfuit. Il est par là. Donc, ça veut dire qu'on peut être safe en allant ici sans utiliser la radio. Pas, il passe par le milieu. Oh, mais il sort de la lettre, mais... You can't be serious. Eh, c'est vraiment dur pour le coup. Oh. Mais franchement, je ferai pas de cut au montage parce que là, le niveau est grave intéressant, je... La mécanique est juste incroyable, je sais pas si vous vous rendez compte. Pour un jeu gratuit, c'est incroyable. Let's go, speedrun, on connaît la map. Ouais, c'est en fonction de là où je suis. C'est pas en fonction de là où je regarde, c'est sûr. Bon, au moins j'ai compris comment ça marche. On a l'air proche. Non! Après, on sait pas. Après la vitesse du monstre, on sait pas du coup. Est-ce qu'il va vite ou non? Ok, il est par là, il est vers le middle, je pense. Ouais, il doit être par là. Il doit être par là, je pense. Ouais. Ok. Là, on va tenter d'aller au middle. Non. Ouais. Ah, mais c'est tellement dur! Oh. Oh, mais c'est incroyable! Ouah, ah non, mais là, je pense, du coup, on fera. Ah non, mais si le niveau de difficulté est comme ça à chaque niveau, ça fera un niveau égale un épisode, hein. Franchement, là, je vous le dis. Ah non, j'ai pas envie de faire de cut, franchement, le jeu est trop bien. Là, la mécanique est juste trop intéressante, c'est incroyable. Ok, il est pas là. Il y a combien de lettres à ramasser? 8. Ok, on a fait la moitié. Il est vers la gauche, je pense. Non. Ok, quand on recalibre, en vrai, faut pack, je pense. Faut s'enfuir. Ok, il est pas là. Non, ok, il est par là. Il traîne souvent vers le middle, c'est chiant. Vers le centre. Ok. Ah! Juste là. Je suis passé juste à côté de lui là, je pense. Eh, c'est grave intéressant comme gameplay, je me répète, mais c'est trop bien. Un monstre que tu ne vois pas. Là, ça change du premier monstre avec sa fanfare là où on entendait à 3 km et tu savais où il était exactement. Franchement, non. Ok, il doit me rester vers le middle, je pense. Ok. Le plus secret, il est où? On va voir s'il est derrière, j'espère qu'il est derrière, ça serait beaucoup plus simple. Non! Allez, on peut le faire. Ah, faut rester appuyé, putain, je suis con. Ok, tant pis, on s'en fait. Tant pis pour le truc. Non! Oh, j'ai trop le seum, c'est trop dur. Non. Ah, oh, j'étais pas loin. Non, j'ai trop le seum. Ok, allez, speedrun. Je dis, c'est bon, c'est maintenant. Ok, il me suit, on dirait, non? Non, ok.
motherfucker. Putain, mais chaque fois, ça surprend trop, c'est incroyable, franchement. À chaque fois, je sursaute. Je sais pas si vous voyez vraiment la webcam, mais c'est un petit sursaut, mais. Ah, mais c'est incroyable. C'est tellement dur. C'est vraiment dur. Hein. Là, ça change. Non, mais qu'est-ce qu'il fout là? Non, j'en ai marre. Oh, c'est trop dur. Bon, ok, du coup, j'ai fait un petit cut. Franchement, je fais que de mon dès que j'ai tout récolté. Allez, on se retrouve du coup dès que j'ai tout récolté, pardon. Et voilà, allez. Petite transition, on se retrouve jusqu'à ce que j'ai tout récolté. Parce que je fais que de mourir en boucle, donc ça, je sais pas si c'est vraiment agréable à regarder, mais bon voilà, je vois que ça fait 11 minutes que je me rends boucle, donc voilà, allez, petite transition, on se retrouve tout de suite. Ok, c'est bon, j'ai toutes les pièces, toutes les lettres. On va essayer de trouver le poulet. Allez. Est-ce qu'il est par là? Non, il est pas là. Il arrive! Il doit être vers le middle, je sais pas. Je suis mort. Il a dû me frôler, hein. J'ai pas oublié le poulet, franchement. Il est là! C'est pas un poulet, c'est un canard, c'est vrai. Ou c'est un poulet, je sais pas, en fait. Allez! Oui, c'est bon. Ah, incroyable. C'est bon, enfin on a fini le niveau 7. Oh là, franchement. Bon, pour pas vous mentir, franchement, depuis le cut, j'ai fait deux tentatives. Ou une tentative, je sais plus exactement. Enfin bref, j'ai fait une ou deux tentatives, on va dire. Et franchement, j'ai bien envie de faire un compteur de combien de fois je suis mort. J'ai bien envie de voir de voir au replay, au montage, combien de fois je suis mort. Parce que franchement, c'était plutôt dur, hein, franchement. Incroyable cette mécanique de gameplay. Vraiment, bah du coup, ouais, je pense qu'on va s'arrêter ici du coup. Ouais, je suis choqué, franchement, j'attendais pas. En fait, faut se dire que c'est un jeu gratuit, quoi. C'est un petit jeu gratuit d'horreur comme ça qui est sur Steam que j'ai trouvé et je m'attendais pas à grand chose. Et franchement, je suis plutôt étonné. Hein. En vrai, les trois premiers niveaux, ils sont plutôt simples avec le monstre qui fait du bruit, tu sais en permanence où il est, plus ou moins. Là, c'est encore une autre mécanique de gameplay. Je vais pas trop vous spoil. Si jamais vous n'avez pas vu la vidéo précédente. Mais là, celui-là, c'est encore au-dessus, c'est vraiment incroyable en termes de difficulté du gameplay. Là, le gameplay est très intéressant, franchement, c'est juste incroyable. Je m'attendais pas autant pour un petit jeu gratuit comme ça. Bref, du coup, je m'arrêtais de parler ici en tout cas. J'espère que la vidéo vous a plu. On n'aura fait qu'un seul niveau parce que franchement, les niveaux maintenant sont difficiles. Je pense que les deux prochains niveaux le seront d'autant plus. Donc à voir, on verra bien. Bref, d'ici, on se retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas le petit pouce bleu, ça me ferait vraiment plaisir. Donc voilà, on se retrouve très bientôt. D'ici là, portez-vous bien et n'oubliez pas, gardez le smile.